Aujourd'hui, je te parle de la base, de la fondation de tout succès. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorme, je suis coach en marketing de réseau et en vente directe. Et aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons la chance de pouvoir manager deux académies, une sur les pays hispaniques, une sur les pays francophones, concernant en fait la formation des entrepreneurs dans l'industrie du marketing de réseau. Et d'ailleurs, au passage, je vais te faire un petit cadeau. Je vais t'offrir tout simplement une séance de coaching gratuite pour résoudre un de tes problèmes que tu peux vivre au quotidien pour justement passer la barre plus haute. Le lien pour le rendez-vous se trouve juste en bas dans la description. Également, si tu veux faire partie d'une communauté, en fait qui va te permettre tous les jours de recevoir un tips, une astuce, quelque chose qui va t'aider à chaque fois à mettre la barre plus haute au niveau de tes résultats. Juste en bas, tu auras le lien dans la description. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Alors aujourd'hui, je te parle de la base, la fondation qui va faire que tu vas tout simplement construire un business rentable. Et en fait, souvent, on s'attend à une stratégie. On s'attend en fait à quelque chose. Quand on parle de ça, une base, une fondation qui est une stratégie qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Eh bien non, en fait, ce n'est pas une stratégie, c'est juste une manière d'être. Et aujourd'hui, en fait, on a fait une conférence avec mon épouse. Et d'ailleurs, elle est experte là-dedans. Et d'ailleurs, je ne la remercierai jamais assez parce que c'est à partir de quand j'ai appliqué ce qu'elle m'a enseigné que vraiment mon succès a été fulgurant. D'accord ? Et dans tous les aspects de la vie. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est savoir travailler ces trois corps. C'est-à-dire le corps tout simplement physique, le corps mental et le corps spirituel. Et là, en fait, souvent, on se pose des questions, on se dit de quoi il me parle. Alors, déjà, c'est tout simple. La première chose, je vais te parler du corps physique. Le corps physique, en fait, c'est quoi ? C'est simplement ton corps, tu vois, la viande là, qui t'entoure ton énergie. Okay ? Et ce corps, en fait, il va falloir s'en occuper. Et ça passe par quoi ? Ça passe déjà par une alimentation saine. Okay ? Une alimentation saine, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Okay ? Ensuite, le complémenter par exemple, complémenter cette alimentation saine avec pourquoi pas des suppléments alimentaires. Aujourd'hui, les suppléments alimentaires naturels, il y en a plein. Toutes les sociétés de marketing de réseau aujourd'hui en proposent. Choisis ceux qui te correspondent, mais en tout cas, je te conseille de consommer ce genre de choses. On le dit souvent avec ma femme, mais ce genre de complément alimentaire, c'est ce qu'on appelle en fait la cuisine du futur. Tu vois ? Et c'est quelque chose, je pense, qui est indispensable aujourd'hui. Pour notre organisme, ok. Donc manger sain et le complémenter avec des compléments alimentaires, et surtout si tu as l'occasion, faire un petit peu d'exercice tous les jours. S'occuper de son corps, c'est quelque chose qui est très très important, ok. D'ailleurs, tu remarqueras que la majorité des gens à succès aujourd'hui sont des personnes qui font de l'exercice et qui vont faire et qui font d'ailleurs ce genre de choses que je vais t'expliquer aujourd'hui. Mais déjà, la première chose, c'est qu'ils s'occupent de leur physique, ok. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si demain, en fait, tu veux devenir inspirant aux yeux des gens, tu dois refléter tout simplement un corps sain, en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Également, j'ai oublié de complémenter, mais tu dois boire beaucoup d'eau. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Okay ? Alors moi, bien sûr, là, tu vois, c'est de l'eau, bien sûr, complémentée avec de la protéine. Protéine, bien sûr, totalement naturelle. C'est comme une boisson énergétique. Mais concrètement, moi, je te conseille de boire un minimum 1 litre et demi d'eau par jour. Bien sûr, au départ, on n'a pas l'habitude des fois de faire ça. Mais je t'assure que moi, c'était d'ailleurs une habitude que j'avais pas, boire de l'eau. Et concrètement, en fait, c'est clair que déjà, quand j'ai pris cette habitude qui était de boire de l'eau, j'ai déjà vu les résultats. J'ai commencé à voir vraiment les résultats. Et en plus de ça, complémenté avec du complément alimentaire, je peux t'assurer une chose, c'est que peut-être tu ne me vois pas là, tu ne vois pas la différence, mais si tu regardes un petit peu toutes les vidéos que tu as sur mon canal, concrètement, en fait, il y a des vidéos où j'avais pris beaucoup de poids, d'accord, et juste en s'occupant de mon corps, d'accord, physique, et bien concrètement, tu verras, j'ai perdu beaucoup de poids, ok, et je me sens beaucoup mieux, et ça améliore beaucoup de choses, ok. Donc, encore une fois, vraiment, prends soin de toi, prends soin de ton corps. Le deuxième, c'est quoi ? C'est travailler son corps mental. Tu as jamais entendu que dans le marketing de réseau, en fait, on te dit souvent de faire du développement personnel. Eh bien, ça, en fait, ça fait partie du corps mental. Ok ? Et donc, moi, je vais te conseiller vraiment de lire des bouquins de développement personnel. T'alimenter, en fait, alimenter ton esprit de choses positives. D'accord ? Déjà, élimine tout ce qui est négatif dans ta vie. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Ok ? Alors, bien sûr, je sais qu'il est très dur aujourd'hui de fuir les actualités et ainsi de suite. Hein, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une
dans un monde concrètement qui est... Ciao amigo. Estoy haciendo una vidéo. Para mi canal. Nos vemos, va. Excusez-moi les amis. Regardez, lui il s'occupe vraiment de son corps. Lui il s'occupe de son corps. Ciao amigo. A la familia. ¿Cómo? A la familia. Sí, es que por mi canal de YouTube y todo esto, estoy dando consejo. Y bueno, ya. Sí, nos vemos. Donc voilà les amis, vous voyez, ça c'est un exemple. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans cette salle de sport, au passage, pour tout te dire, putain, je l'ai vu arriver, lui, j'ai dit, putain, lui, je peux te dire qu'il travaille bien son corps, quoi, tu vois. Et en fait, il m'a donné plein d'exercices, c'est un mec d'ailleurs qui m'a donné plein d'exercices à faire. Et concrètement, aujourd'hui, on fait des classes ensemble, ainsi de suite. Et voilà, et tu vois le résultat. Bref, corps physique à travailler. Corps mental maintenant, c'est ce que je disais en fait dans le marketing de réseau. On te conseille souvent de lire des livres, on te conseille souvent de t'alimenter en fait de développement personnel. Et c'est clair que c'est ce qu'il faut faire. Tu dois t'alimenter de choses positives, tu dois alimenter ton mental de choses ultra positives. C'est quelque chose qui est très important. Parce que souvent en fait, aujourd'hui, on est entouré de gens qui sont très négatifs. De par tout simplement la dogmatisation, de par tout simplement la manipulation quotidienne, okay, de par l'actualité quotidienne. Concrètement en fait, en tant qu'être humain, concrètement, il est très dur de vivre dans un monde positif. Mais ça, c'est le système qui est fait comme ça. Et moi, je te conseille vraiment, eh bien, un petit peu d'éliminer tout ça et commencer à te former personnellement, à aller également, pourquoi pas, moi, le conseil que je te donne d'ailleurs, quand tu as l'occasion d'aller dans des événements, ne serait-ce que des événements de mentors, de personnes à succès, des gens qui ont réussi, je t'assure que c'est un bon investissement d'investir dans ce genre d'événement, vraiment. Je t'assure qu'il faut vraiment, encore une fois, investir, ok? Donc ça, c'est très très important. Investis en toi et dans tout ça. C'est le moment de partir, les amis. Et je vais continuer la vidéo en t'expliquant tout simplement le troisième point, d'accord? En partant, qui est concrètement la partie spirituelle. Le troisième corps. Fini à moi. Le troisième corps qui est la partie spirituelle, ok? La partie spirituelle, ben c'est tout simplement commencer à méditer. La méditation, en fait, c'est quelque chose qui est très, très important. Ciao. Hasta luego. La méditation, c'est quelque chose qui est très, très important. D'accord? Et moi, c'est un bon exemple. D'ailleurs, mon épouse qui est là, en fait, c'est elle qui m'a enseigné à méditer. Elle est maître de méditation. Ok? Et c'est grâce à elle, concrètement, que depuis le jour où elle m'a enseigné à méditer, je t'assure que ma vie, elle a changé. Donc si tu ne sais pas méditer, apprends à méditer. C'est très simple d'apprendre. Il n'y a pas besoin de faire des méditations de 10, de 20, 30 minutes. Tu peux commencer à 10 minutes, mais fais-le tous les jours. Fais-le tous les jours. Cultive vraiment cette partie spirituelle qui est la méditation. D'ailleurs, tous les entrepreneurs à succès, les plus grands aujourd'hui, on parle d'Anthony Robbins, on parle de coach à haut niveau, on parle de personnes qui réussissent dans le marketing de réseau, ce sont des personnes qui méditent. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut que tu cultives. Je t'ai donné 3 conseils. Alimenter ces 3 corps, corps donc physique, tu peux t'inscrire d'ailleurs dans une salle de sport, ça c'est un bon conseil, c'est un bon investissement pour le corps physique. Corps tout simplement mental, investis tout simplement dans des livres, cultive-toi, d'accord, qu'avec du positif, déjà commence à penser positif. Et troisième chose, la partie spirituelle, ça commence par la méditation. Écoute, si bien sûr cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à la liker, n'hésite pas également à mettre en commentaire si tu appliques déjà ce genre de choses et si tu ne le fais pas bien sûr. Et voilà, et surtout n'oublie pas une chose, reste simple et viens en abondance, on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao ciao.